bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série sur Hellcard qui est sortie en 1.0. Je suis pour l'occasion pour tester le jeu avec Alastre et Gaelden. Salut les gars. Bonjour. Salut. Alors Hellcard qu'on avait déjà testé en multi sur la démo à l'époque, il y a donc quelques mois. C'était bien. Et ouais, on s'était bien éclaté et là bah du coup on réitère. Alors à l'époque on avait testé avec Zikino et là on a Alastre qui en tant que viewer nous rejoint pour cette session. Alors un petit rappel sur ce qu'est Hellcard, hein, c'est un deck builder roguelite donc qui se joue à 3, vous allez voir si vous ne le connaissez pas, qui se joue de manière assez particulière, c'est-à-dire qu'on va s'entraider mais en attaquant pas les mêmes ennemis, c'est assez particulier. Les jeux à la manette. Ou si on peut attaquer oui, les mêmes. On peut attaquer les mêmes ennemis, mais on va dire qu'on gère notre partie du champ de bataille, quoi. Il est à un prix fort raisonnable de 16,79€, si vous aimez bien le style, ça vaut carrément le coup. Il est entièrement en français, et de ce que j'en ai vu, c'est plutôt qualitatif. Toi, Gaelden, qui a bien fouillé... J'ai pas vu de bug de traduction notable. Ouais. Et quand il y en a, ils sont pris en compte. Nickel. C'est bien ce qui m'avait semblé. Il est jouable à la manette, mais je pense que c'est le genre de jeu qui se joue bien à la souris. Mais si vous êtes adepte de la manette, eh ben, il n'y a pas de souci. Hop, on va rebasculer sur le jeu. Donc on a déjà commencé à lancer une petite partie. On va donc jouer nos trois personnages. Gaelden, tu seras le bricoleur à gauche. Et Alastre, la voleuse à droite. Alors sur mon écran, je précise, hein, parce que vous ne voyez sans doute pas la même chose sur vos propres jeux. Et moi, je serai un guerrier. Un fier guerrier. Donc là, on a des skins qui sont donnés à l'occasion du nouvel an chinois, année du dragon. Ouais. Je pense qu'elles sont disponibles pendant un temps et bon, ensuite, j'imagine que quand on l'a activé, on peut les garder aussi longtemps qu'on veut. Mais ouais, je crois que c'est si tu lances le jeu dans la période, voilà. Tu l'as quoi. C'est des skins gratuites. Tac tac tac. Du coup, faut qu'on choisisse notre destination pour commencer chacun, ouais. C'est ça. C'est ça. Donc à chaque fois on choisit une destination parmi deux qui nous donne un type d'ennemi, un site donc qui va jouer sur la récompense qu'on aura à la fin de la mission. Donc ici on a des ruines et une armurerie. Et je vois que tout le monde a voté pour l'armurerie, donc allons-y. On a les mêmes. Non, pas les mêmes. Ah oui, on a pas les mêmes, c'est vrai. Chacun choisit son. Comment, chacun choisit le type d'ennemi et l'endroit où voilà. Il veut. Et on a tous choisi les gars et squelettes. Voilà. Ah, les zombies, moi j'aime pas trop, mais surtout au début parce que en fait on. Ouais, mais il y a des ruines. Ouais, mais comme on fait des petits dégâts, en fait on se prend plein de dégâts de pourriture. Oh, allez, on va prendre des squelettes alors. Mais non, on prend les zombies, il y en aura pas tant que ça. On est là pour montrer, on n'est pas là pour gagner. Ouais, j'ai encore plein de squelettes après dans mes choix, donc voilà. Non, je vais prendre des zombies. C'est parti. De toute façon, si on meurt au début, on meurt. Hein, ça sera la faute du film, c'est tout. Exactement. En tant que streamer, j'assume totalement ma responsabilité. Je l'ai pas dit d'ailleurs, hein, mais je remercie l'éditeur, dont bien sûr le nom vient de m'échapper. Qui est Skystone Game pour nous avoir offert des clés pour ce jeu, alors notamment pour moi et Skylden, je crois qu'à l'époque c'était le cas aussi. Oui, tout à fait. Alastre 3, malheureusement, en tant que viewer, je crois que tu l'avais déjà acheté toi-même avant qu'on en parle. Le développeur, c'est ThinkTrunk. Yep. Moi, j'avais Skystone testé Game pour l'édition. Sachant que moi, j'aime beaucoup, en fait, c'est un univers. Hein. Ils en sont pour l'instant qu'à leur deuxième jeu, qui est d'ailleurs un shift par rapport à leur premier jeu qui est un Diablo-like assez sympathique. Voilà, et en fait, tous les jeux sont sur la même idée. Donc, on voit, hein, les personnages sont tous en papier. C'est comme des marionnettes en papier. Et voilà, ils ont prévu d'en développer, je sais plus, 7 ou 8. Le suivant qui est déjà annoncé, mais je ne sais pas du tout pour quand il sera, ce sera un XCOM-like, mais ancienne version. Puisque donc ils reprennent des concepts de base. Hein, leur premier jeu, c'est vraiment un Diablo 1-like, mais avec des modifications de règles et des concepts qui sont tout à fait différents. Et voilà, c'est vraiment un concept qui est intéressant. Un concept global et que je valide parfaitement si vous avez envie de tester, ça vaut vraiment le coup. Ouais, il est vraiment sympa, je suis d'accord. Et du coup, Yalastre, tu disais, Ouais, moi j'avais découvert l'éditeur avec le premier jeu, là, donc celui qui a un Diablo-like, qui était vraiment sympathique. Mm.
à l'époque, je sais pas s'ils le font encore, mais ils vendaient un bundle un bundle de support Air Pack où du coup après tu avais accès à tous leurs jeux qu'ils vont développer en fait. Ah oui, en effet. Ouais. Je ne sais pas s'ils le font encore. Donc comme vous le voyez hein, sur le jeu, on a chacun notre petit quart de... Enfin du coup tiers de... C'est un camembert en quart, mais oui non, de notre tiers de champ de bataille à gérer. Ce qui nous empêche pas d'interagir sur les autres, hein. On voit que je crois que c'est toi Gaelden qui m'a mis un bouclier et on voit que Alastre tire des flèches sur les zombies de mon côté. C'est pour ça que je disais en fait on... Les zombies qui étaient loin pour les mettre à 1 PV pour qu'on puisse les achever sans perdre de points de vie. C'est ça, ouais. Les zombies ont la capacité que si on les tue pas en un coup, ils renvoient des dégâts. Un point de dégâts. Un point de dégâts, ce qui est assez chiant en termes d'attrition. Et là on voit qu'ils ont différentes actions, donc lui du coup... Il va se repositionner, il ne peut attaquer qu'au corps à corps, donc il va venir ici. Et lui, il ne fait rien, il attend pour le moment. Ouais. Et lui, du coup, il va se buffer, mais on l'a descendu à 1, donc on est plutôt pas mal. Ah, il y a un truc que je regrette pour ce jeu, c'est que la caméra, en fait, devrait être dézoomée un tout petit peu plus, ou pourrait être dézoomée, parce qu'en fait, selon la position de la caméra, on voit pas tous les ennemis. Oui, donc il faut faire gaffe et penser à utiliser les flèches pour... pour mieux voir. Surtout qu'il y a moyen que... Là, ça va encore au début, mais il y a des fois où il y a beaucoup d'ennemis. Ah oui, ça... plus que des fois. Beaucoup de monde de votre côté, du coup. Hein. Alors moi, je peux faire 4 de dégâts de zone. Affaiblir moi, j'ai personne qui me tape, là, donc... J'affaiblis un peu de ton côté, Gaelden. Merci. Toc. Attends, bah tiens, je vais le faire un... Je le termine. Je peux te mettre un petit pavois. Ouais, je peux aussi me def. Donc, voilà. Je vais faire ça. Et ensuite, je vais créer un prototype qui va faire qu'à la fin du tour des monstres, j'infligerai 3 de dégâts au monstre le plus proche. Ah, sympathique. Voilà. Et donc, je suis protégé complètement. Donc, du coup, on voit, j'ai pas de rouge. Je vais pas prendre de dégâts puisque je suis protégé à 4. Sur 4 points de dégâts que je suis censé prendre. Et si je mets ma souris sur mon perso, tu peux le faire peut-être, ouais, Lucine. On voit les attaques. On voit qui est en train de m'attaquer, ça peut aider à s'y retrouver quand il y a effectivement une cinquantaine de monstres sur la carte. C'est pratique. Ouais, ils ont pas mal amélioré la lisibilité, hein, je trouve, globalement. Sauf ce dézoom, je trouve qu'il est... Ouais, sauf le dézoom, ouais. C'est vrai que moi aussi j'ai tendance à avoir envie de dézoomer. Mais c'est l'habitude de la carte tactique, ça. -6. Alors, moi je fais des moins 1, mais je fais pas autre chose. Donc j'ai fait les moins 1, je vous laisse faire. Moi j'ai je peux faire 2 là. 2 de protection sur qui veut. J'ai 2 attaques à 2, donc je vais. Je peux me débarrasser un peu de ça, affaiblir ici. Je peux le finir éventuellement. Vas-y. Vas-y, hein. Moi j'ai plus d'action donc. Comme ça c'est fait. Donc on gagne une gemme qui nous sert de point d'endurance. Ça, hein. On peut éventuellement utiliser pour des cartes. Pour acheter des capacités après. Ah oui, pas les points d'endurance, ils étaient sur le perso, ouais, pardon, excusez-moi. Les gemmes, c'est la thune. Ouais, c'est ça, c'est ce qui va permettre de faire évoluer le deck en fait. Trois de parade, gagner une vie sur chaque. Dans votre main. Oui, épique courte. 4 de dégâts à distance. Alors, sachant qu'on peut distinguer la rareté des cartes avec le petit symbole qu'il y a au centre. Ah, la petite gemme, là. La petite gemme. Si c'est un petit losange, c'est les cartes communes. Les cartes avec un carré, enfin un petit diamant, sont des cartes qui sont rares. Et au-delà des rares, il y a des légendaires. Et donc après on a notre petite récompense de fin, donc là du coup normalement on peut taper sur les trucs des autres, je crois. Hein. Oui, alors ce que je me demande c'est si... Hop, je sais pas si vous pouvez le prendre. Ouais non, si. T'as pris 50, est-ce que je peux prendre ça aussi? Ouais je peux, ouais. Voilà. Ouais, je peux aussi, ouais. Et ensuite on peut dépenser donc tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on peut voir que toi t'as foiré alors que nous on a réussi. Voilà. Donc.
faites commencer votre prochaine bataille avec une influence de classe aléatoire active. Intéressant. Oui, pour moi c'est très intéressant. Même. Et donc on peut ne prendre qu'une seule récompense sur chaque, truc. Ouais, chaque là, lieu. On a pris l'exploration, donc tout le reste est grisé quoi. On pourra pas avoir de burrito. Terrible. Affinage, améliore une carte aléatoire, améliore une carte sélectionnée parmi les cartes, transforme et améliore une carte sélectionnée. Je vais prendre un petit affinage. Deux monstres les plus proches. Ok, on peut pas faire de parade. Ah mais c'est gratuit le bricoler, c'est bien ça. Ouais, oui, c'est gratuit, ouais. Mais si c'est gratuit, on va prendre ce qui est gratuit, c'est bien. Prendre ça, on prend l'évolution directe. Et tac. Oh, j'ai déjà une première carte élite. 5 de dégâts non bloquables. J'avais pris ma carte rare dans les 3 récompenses qui m'étaient proposées. Et j'ai pu l'évoluer, ce qui est plutôt sympathique. Hop. C'est quoi variation? Comment ça variation? Dans l'atelier, là je peux affiner et ça me crée une carte qui a inflige 5 dégâts non bloquables et variation plus 5 dégâts. Alors si tu survoles, hein, ça t'indique ce que ça fait. C'est... Ouais, mais justement je peux pas survoler parce que tu sais, elle apparaît dans la petite pop-up d'aperçu de ce que ça va faire. En fait, c'est que à chaque fois que tu la joues, ça refait l'effet. Donc la première fois, elle aura, mettons, s'il a 5 dégâts, après ça passera à 10, puis 15, puis 20. Ah oui. Il me semble que c'est ça, mais j'en suis pas sûr à 100%. On va prendre, est-ce que je peux avoir mes cartes du coup? Ah, toi aussi, variation plus un. Lame d'entelée. Non, je peux pas le... Variation, modifier un paramètre chaque fois que vous la piochez. Ok, bah, je tire jusqu'à la fin du combat, donc c'est ça. À chaque fois que tu la joues. À chaque fois que je la pioche, elle booste quoi. Donc ça peut être utile ensuite d'avoir des cartes qui permettent de cycler. Ouais, bah déjà 5 de dégâts c'est pas mal, donc bon. Ok, deuxième niveau. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah, des cochons à droite. Des squelettes archers ou des squelettes protégés. Chambre forte. Ah, pas mal, c'est une chambre forte. Tiens. Alors si je peux te conseiller, c'est de prendre plutôt les corps à corps sur toi. Parce que tes armes infligent plus de dégâts en général quand t'es au contact. Bah, en l'occurrence, j'ai pris une carte qui me rend plus versatile. Mais les protégés là, j'imagine qu'ils doivent avoir une armure, les squelettes protégés. Oui, sans doute. Bon, normalement, quand même, au début, on risque pas grand chose. Oui, donc il y a un système en multi, il y a un système de. Comment, de chat. Hein. Hop, on peut. Voilà, je peux dire là, j'ai besoin de soins. Je reviens. Hop, je vais au chiat. Tu fais ça comment? C'est avec les 3 petits points au-dessus de notre icône. Ah oui, en parlant. Ah oui, d'accord. Général, voilà, icône, personnel. J'ai besoin de mana. Et un clic droit pour indiquer, qui est-ce qu'on attaque. Donc ça, c'est quand on n'est pas en vocal, c'est pratique. Oui, quand on a besoin de ce synchro. Du coup, lui, il va faire quoi? Il va prendre 5 de parade. On n'a aucune attaque pour le moment. Ouh, c'est fort, ça. J'ai une carte là, ça fait un grand cône qui fait 4 de dégâts et étourdissement. Bah vas-y, enjoy aussi. Je pense que le plus d'ennemis que je peux toucher c'est par là-bas. Oui, effectivement. Ah oui, en effet. C'est quoi que tu nous as joué là? Je sais pas comment je l'ai eu cette carte. Je me demande si c'est pas la carte gratuite que j'ai eu avec le bricolage. Ah peut-être que si, ouais. Oui, c'est. Ah oui, c'est ça, d'accord. En fait, j'ai un effet là. J'ai la flèche à tout le monde au début de chacun de mes tours. Sympathique. Bon, moi je vais me protéger pour pouvoir. Je vais one-shot un petit zombie, ça sera toujours ça de moi. D'accord, ouais, c'est dommage celui-ci parce que je pourrais en blesser deux d'un coup. Ah, ouais. Prochaine fois, tu parleras plus vite. Là, j'étais sur le point de le faire et puis tu m'as interrompu. Je t'ai interrompu tout de suite, les grands mots quoi. Boum. Bon, c'est pas mal là déjà. Bon, un premier tour. Pas cocher volant quoi. Du coup, je vais relancer ma flèche assommante sur le groupe à droite. Ah, tu l'as repioché?
Non, j'en ai une au début de chaque tour avec l'effet passif que j'ai eu du bricolage, là, j'en aurai une à chaque tour. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Tiens, moi je fais 10 d'un coup, là. Boum, hop, ça c'est fait. Je peux faire et... 3 de dégâts sur le zombie à l'arrière, non, il a déjà été nettoyé. Moi aussi, du coup. Je vais m'occuper de ceux de mon côté, du coup. Hop. Voilà. C'était facile. Victoire. Bon, au début, ça va. Piocher 2 cartes, 2 de parade, ok, c'est pas mal. Faire un peu de carte d'avantage, ça peut bien matcher avec la lame la lame qui pique là. Tous les pays ont pioché. C'est cool ça. Oh, je peux prendre une grue. Donner 3 parades à tous les héros si vous n'avez pas utilisé de carte attaque ce tour-ci. Ouais, c'est pas trop mon truc quand même. C'est rare. Bon, j'aimerais bien gagner 3 gemmes cette fois-ci. Perdu! Ah oui, la grue, je peux l'avoir aussi. Ah, du coup, je vais gagner 3, donc je vais prendre l'examen minutieux. Comme c'est gratos. Inflige 50 de dégâts à un monstre aléatoire au début de la bataille. 50, sympathique. Sinon, j'ai vos cartes attaque infligent plus 1 de dégâts à partir du tour 2. Ouais, c'est moins bien. Ouais, bah le problème du 50, c'est que ça peut buter le monstre aléatoire, oui, certes. Bon, oui, moi vrai, j'ai récupéré vrai. Un dé, mon mana il est aléatoire entre 1 et 8. Ah oui, ça c'est... Ah. Ça peut être dangereux. T'as pris le truc random, du coup? Le truc random, c'est-à-dire... Le chapardage? Non, t'as pas... Non, j'ai... Non, c'est le B... Mon dé... Ah oui, tu verras, oui, c'est là. Tu peux voir en bas à droite... Je trouvais pas ton pseudo parce qu'en fait je pensais que sur l'examen minutieux c'était moi, mais non. Vu que c'est ce que j'ai fait. Ouais, non, en fait je t'ai dit une connerie, ça aurait été mieux votre. Je suis en train de réaliser. Je pense qu'il aurait. Il se calait plus, mais. Si ça tombe bien, le truc c'est que si ça tombe bien, quand ça tombe sur un gros si monstre, sur un boss, ça fait du bien. Si ça bute le mec à 1, on est d'accord, c'est du aléatoire. Bon, c'est rare, que je suis excellent avec les trucs aléatoires, quoi. Le petit bouton qui donne plus de PV. Je vous dis pas comment Chobiti est morte de rire. Et c'est repartu. Ensuite, il va y avoir des boss. Petite araignée. Ouh, là, il y a un gros templier. 15 PV. Alors, les 52 dégâts. Ça fait mal au mec tout à gauche là, ou c'est vous qui l'avez tué? Moi j'ai rien fait donc. Ça devait être ça du coup. Je peux one shot le squelette qui va te taper si tu veux, Gaelden. Vas-y, enjoy. Non. Je vais commencer à endommager un peu ça. Et des dégâts par un par un, quoi. Ah si, c'est bon. Un peu plus nombreux là. Ah, il y a une grosse araignée derrière. Collant en toile une carte qui a causé la mort. Ah, oui. Ah la sale ça, bête. C'est chiant l'entoilage. La sale bête. Ah, il faut que je clique sur fin du tour, pardon, excusez-moi. Et le grand classique. Moi je vais infliger à la fin de chaque tour des monstres, j'infligerai 3 de dégâts aux deux monstres les plus proches. J'avoue là, ils s'énervent un peu les mecs. Hein. Alors ils s'énervent pas, ils se rapprochent. Oui, ils se rapprochent. Oula, laissez-moi jouer. Vas-y, fais-toi plaisir. Je fais 10 d'un coup sur une grosse zone. Vas-y. Bien. Ah oui, c'est une mitrailleuse ton truc là. Et en plus, tu mets étourdissement quoi. Et en plus, je mets étourdissement. Et ça a pas l'air de t'avoir coûté de mana? Si, ça m'a coûté 1. Mais comme j'ai le. J'avais pris 1 de mana en plus. Au début. Je peux mettre un coup de pied pour repousser quelqu'un si. Bah, moi j'en ai un qui me tape dessus. Limite. Mais je peux me. Attends, sinon je peux vous faire piocher. Moi je peux faire 6 de dégâts là.
Oh, voilà. Je vais vous donner plein de cartes. Est-ce qu'il vous manque des cartes? Parce que j'ai possibilité de vous en donner un certain nombre. Non, moi j'avais qu'un de mana cette tour-ci, du coup. Ah ouais. J'ai bien lancé sur mon D8, je suis content. Bon, donc, j'ai déjà fait piocher donc. Pioche 3 cartes pour chaque mana utilisé. Donc je vais l'utiliser à la fin du coup. Je vais me faire mes vis. Tac. Ah, ça je peux le faire. Ah oui, c'est marrant, t'as des vis, des cœurs. Ouais. Excellent. Ça fonctionne beaucoup par combo. Oui, j'imagine. Enfin, ça met du temps à se mettre, à devenir efficace, mais ça, à la fin, ça peut devenir très très fort. Alors, ah oui, ma lame dentelée fait 10 dégâts maintenant. Je fais un peu de dégâts en zone. Tac. Bim. Ok, bon bah écoute, du coup, je diminue là. Hop, tac. C'est bien comme carte ça. Boum. Ouais, ça fait le ménage quand même. Ouais, on n'est pas trop mal. Voilà, lui je l'ai tué et boum. Mes poignets explosifs. Ah, c'est moi qui l'ai tué. Ah, j'ai même pas eu le temps de cliquer. Bien joué. Activer le premier embouchant. Plus bon adhésif. Les cartes vertes, c'est des passifs? C'est des passifs, ouais. Ouais, ok, parce que je comprenais pas trop le trip. On gagne de l'endurance et on pioche des cartes. Bah ouais. Carrément. Donc l'endurance, hein, à chaque fois que tu arrives à 10 d'endurance, en fait, tu te retrouves avec la prochaine carte que tu actives s'activera gratuitement et deux fois. Et puis tu as un certain nombre de cartes qui ont un impact. Putain, c'est... Ouh, je l'ai réussi. La gaz est proche, mais pas moins de 1. Oh, c'est rigolo. Petit masse de pierre, là, ça me plaît bien. Ça. Supprime. Par contre, y'a rien qui me tente dans la demeure du sage. Hein. Quoique. Bah, c'est le principe de nettoyer son deck ensuite. Ouais, je sais, mais je suis jamais fan de nettoyer mon deck. Je sais que c'est pas bien dans les deck building, mais. Bah, les cartes de base, c'est toujours sympa d'en virer quelques-unes. Ouais, quelques-unes, ouais. Je suis d'accord. Allez, on va faire venir des facochères volants. Ouais, les facochères volants aussi. On s'est validé. Faut que je pense à cliquer. Puis après, on va avoir des boss. Parfait, là, pour avoir notre premier boss. Ouais, il commence à y avoir un peu plus de monde déjà. Ouh, Alastre, tu vas prendre cher avec tous tes archers. Bim. Je sais pas ce qu'il a fait. Bah, c'est moins 50, je pense, qu'il a fait un 2. Et non, moi j'ai aussi un artefact qui fait 20 de dégâts aléatoires. Ah, d'accord. Je peux faire un 10 de dégâts en zone. Je peux faire un 5 de dégâts ciblés, moi, mais. Ou 3 de dégâts. Je vais en tuer 4 d'un coup là. Tiens, les 4 derrière. Ah oui, sauf que là, ceux-là, ils font des dégâts. Ils attaquent. Là. Ce serait plus intelligent. Pas mal. Hop. Non. C'est quelqu'un qui te... Ouais, ah, j'ai demandé si t'avais besoin de parade, mais... Du coup.
machin, la pourriture tape dans la parade. C'est bon ça, je savais pas. Oui. Ouais. Ah donc c'est du coup c'est utile de se blinder avant de. Oui, effectivement. De lancer les attaques. Les archers buffés là, ils vont pas faire plaisir. Ouf. Tu vas prendre cher à l'astre. Non, aucun problème. On va essayer de faire en sorte que ça soit pas le cas. Non, mais c'est bon, je l'ai tué. Hein. Il y a aucun problème. Tué. Ok, bah écoute, pas de stress alors. Je vais faire un 10 sur le templier là pour l'amortir un peu. Bon, moi je prends forcément des dégâts. Ouais, pareil, je passe 7 points malheureusement. Il faut faire quoi pour que tu prennes pas de dégâts? Alors, moi, je prends 2 dégâts. T'as. Bah, toi. Oh voilà, là. Très bien. Tout va bien. Et toi, tu prends. Bah voilà. Non, c'est bon. Il lui reste plein de points à l'astre. Comment il gère? J'ai eu 6 mana là, donc. Ah oui. Ah, t'as toujours ton truc aléatoire? Ah oui, c'est un. Ah oui, c'est vraiment. Ça, c'est permanent. Ok. Bon, j'aurais entre 1 et 8 points de mana à chaque tour. Ok. Bim. J'aime bien ce petit. Ce petit artefact. Il faudrait que je trouve des trucs de zone, moi, par contre. La petite lame dentelée à 15 de dégâts. Je me fais le templier. Hein. Ok. C'est bien aimable. Moi je peux faire tac, bim, ça c'est fait. Du coup l'endurance elle est utilisée automatiquement. Oui, tu peux pas. Oui, on peut pas. Si je, là j'ai utilisé 2 d'endurance pour faire plus 2 de dégâts, si j'ai 2 d'endurance il l'utilise quoi. Bon, y'a pas de. Mais. Le petit facochère qui résiste dans un coin là. Ah, c'est ma caméra qui m'empêchait de le taper, mais. Attention, à chaque utilisation, le coût mana de la carte augmente de 1, ok. C'est bien ça. Allez. Ah, ça c'est très bien. Si vous avez l'occasion de choper ce que je vais choper là, le miroir d'argent, c'est vraiment très très bien. Ça permet parce qu'il y a des. On va trouver chaque fois qu'on te met de la parade, on en gagne. Pas mal. Ouais. Voilà, ça permet de. Bah moi, c'est la lentille en quartz que j'ai qui fait que j'inflige un de dégâts en plus aux ennemis proches et moins un aux ennemis éloignés. Du coup, ça allez, je l'ai vu celui-là. Bah, toi, c'est pas mal pour un. Moi, c'est bien. Ouais. C'est pas mal. Ah, science. 0. Ah ouais, là j'ai l'épée dévoreuse d'âme qui fait 5 de dégâts. Et si ça tue, ça augmente de 5 les dégâts, mais c'est pas une variation, donc ça veut dire que c'est dur. Oui, c'est permanent. Elle est très très forte à avoir très tôt. Ah ouais, carrément, ouais. J'ai gagné une run grâce à ce. Grâce à cette petite épée. T'as fait une offrande de science à patate. C'est ça que j'ai vu, hein, Gaelden. Tous les héros gagnent 4 de parade, bah c'est pas mal ça avec ton truc là. Ah oui, tu cartes à davantage, c'est bien aussi. Un bloc à mes répercutons. Allez. Parce que on va étourdir. Allez, c'est parti. On va jouer la défense. Et donc là, on aura des boss. Un boss, cadavre vorace. Et on aura une demeure du sage. Ouais. 3 boss. Ouf! On a 3 boss d'un coup! Les 3 d'un coup! C'est pas de bol! Quand on joue tout seul, ils sont décalés les boss, on en a 2 max. Ça dépend, non, ça, c'est aléatoire en fait, c'est soit sur le 4, soit sur le 5, soit sur le 6. Et pas de bol pour nous, c'est les 3 sur le même. J'avoue. Et en plus, les boss ils sont pas tout seuls, ils viennent avec des copains, sinon. Eh bah oui! Peut-être que le 52 dégâts va toucher quelqu'un de sympathique. C'est ça, ça serait cool. Ah, par contre, bim, et ben voilà. Et ben voilà. Ça a tué un boss direct. Ça, c'est cool. Alors, du coup... Par contre, tu t'es pris un de pourriture d'attaque à l'astre. Avec son attaque aléatoire. Ça, c'est chiant. Ah oui. Ouais, bah, l'attaque aléatoire. Non, mais il est nul ce jeu.
Pourquoi il me touche et il me fait moins 7, lui, alors que c'est le seul à Alors, parce que le boss, le squelette berserk qui est dans ma zone, va faire plus de points de force pour tous. Ah oui, moins 1 PV pour tous les monstres, mais 2 points de force. Okay. Voilà. Attention également à autre chose. Les diablotins de feu, il y en a un qui est actuellement dans la zone d'Alastre. Ils explosent si on les tue dans cette zone-là. Donc il faut essayer de les... soit se protéger avant, soit les bumper. Ok. Ah, du coup, je peux commencer à nourrir mon épée dévoreuse d'âme en butant le petit diablotin qui est loin de toi, Galden, éventuellement. Bah, par exemple, ça peut être une solution. C'est pas mal, ouais. Après, moi, je vais me par contre, je peux protéger. Pas du tout me défendre, là. Moi, je peux pas beaucoup me défendre, mais... Alors, attends... C'est qui est-ce qui t'attaque là qui te fait, C'est les deux squelettes mages là qui nous attaquent, mais on en a un chacun donc je suis pas sûr de pouvoir les. Ouais. Ils peuvent attaquer des deux zones. Alors j'ai du mal lire ma carte. Normalement c'était censé le rapprocher le squelette mage et ça lui a rien fait. De toute façon, même s'il était proche, il peut attaquer oui, aussi. Oui, c'est des attaques magiques donc. Ah merde. Il attaque dans les deux zones. Non, c'est nul ça. Lui là, n'y touchez pas. Il va mourir, puisqu'il va se buffer, il va être buffé par le berserk squelette. Ah, le boss ? Non, lui là, le squelette archer. Ok. Donc faut pas y toucher. Sans verdâtre, ça fait quoi ça ? Merde, il tape aussi lui ? Merde, j'avais pas vu. Qu'est-ce que ça fait ouais, Il a de la pourriture, c'est un... Oui, puis chaque fois que ce monstre est touché, tous les zombies gagnent plus un point de force, hein. Faut faire gaffe. Alors il y a plus d'autres zombies, donc c'est pas très grave. Je voulais l'endommager pour qu'il soit bientôt mort, mais... Résultat, c'est toi qui es bientôt mort. Mais j'avais pas vu qu'il avait de la pourriture. Ah, c'est le boss zombie. Boum. Vilain. Alors là, il y a de l'invoque. Ah, alors je peux faire 10. Je peux tuer ton boss. Et le Templier, je peux lui faire 10 à côté. Ah bah vas-y, moi je peux faire quoi 5 là. Et en plus, je l'étourdis. Bim. Moins 14 là Non. À l'astre là Ouais. Est-ce que quelqu'un peut. Enfin. Si vous pouvez une carte pour pousser ou tuer le diablotin de feu, ça m'arrangerait. Moi, je pourrais tirer sur les mecs derrière. Tu peux. Non, il y a que toi qui peux pousser. Je peux pousser, ouais. Ah, mais si je l'ai. Ah, vous m'avez fait piocher des cartes. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Non, là, ça marche pas. Alors, je peux quand même tuer lui. Attends, je peux en stun. Tuer lui. Ah bah, c'est bon. Je peux me débarrasser si tu peux du gros. Celui à 7, ouais. Bon. Ouais, attends, je vais le finir. Tiens, là, le diablotin de feu peut être tué. Je vais finir le diablotin, du coup. Non, parce qu'il a du bouclier. Merde. Mais ah, si, il est mort. Bon, tout va bien. GG. Tout était tout prévu. Fin de tour. Bon, franchement, on a géré 2 des boss. C'est pas si mal, hein. Non, mais on est bien, là. On a pris un peu de dégâts, mais... On a pris un peu de dégâts, quand même. Bon, moi, je me fais 5 de... Je te finis le mec qui est au corps à corps de toi, Galden, là. Nickel. Pour booster mon épée. Alors, moi, je peux faire 10 de dégâts... Oh, putain, je peux pas voir le... Non. Je peux faire que 4. Bon, il y a le boss qui est en train d'arriver. Ça, c'est pas terrible. Ah, merde! Bon, je vais tuer le magot qui est à côté de moi. Je peux juste me défendre là sur ce tour, je peux pas m'empêcher l'attaque. Donc... Moi je peux te protéger aussi. Mais... Bah sinon si tu me protèges, j'entame un peu le squelette guerrier là. Créature invoquée, ça veut dire quoi? Qui va disparaître tout seul? Non, ça veut dire que il y a quelques cartes qui ont un effet spécifique sur les créatures invoquées. Ah mais si, c'est vrai que je fais plus 1 de dégâts, donc oui, si, je le tuais en fait, autant pour moi. Tu es juste repoussé un mob.
pour le faire chier. Et pas, il se buffe pas comme ça. Bon, bah... Là, je vais commencer. Non, ça va, il fait que 5 de dégâts. Ça va encore. En plus, il tape pas. Ils sont gentils. On va faire 11, ça va le calmer un peu. Là, je termine. Je termine aussi. Hop. Juste le boss. Bon, on va s'acharner dessus, puis ça va passer. Bim. Voilà, très bien. Le petit coup de pied pour le reculer. Ouais, je fais plus de... je fais un dégât de plus aux ennemis loin, donc... Bim. Ah, moi, c'est l'inverse. Il va falloir qu'on se synchrone. Alors, je peux le tuer si on... si vous me laissez faire les 15 de dégâts final, je peux... voilà, je peux le finir avec mon épée, là. Ah bah, finis-le avec là... ton épée, hein. La rebooster encore un coup, elle va faire 20 ou 25 de dégâts, là. Je crois pas que ça se reproduise d'une partie à l'autre. Ah si 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 si, c'est celle-là si justement. Si, si. C'est elle a pas de variation, donc la, l'épée buveuse de buveuse d'âme et boit les âmes au premier sens du terme quoi. 9 de parade à tous les héros pour 1 de mana. Bah oui. Bien sûr que oui. Oh, moi je peux étourdir tous les ennemis proches qui ont l'intention d'attaquer. Chavis que vous avez. Ça peut être vraiment pratique. Putain, j'ai deux cartes légendaires qui sont pas ouf. Ouais, si je vais prendre ça, puis... Un tapis de bombardement, ça rigole pas. Alors, je peux prendre une épée de cristal. Inflige 20 points de dégâts, si le coup tue la cible, ça réduit les dégâts de la carte de 5. C'est l'inverse de l'autre, quoi. Amélioration de poignée explosif. On va supprimer ça. Et ça, j'y crois pas trop. On va prendre ça. 10 de dégâts. Ah, rigolo ça. Bah, est-ce qu'on n'arrêterait pas le premier épisode là, 37 minutes ? Eh ben, on peut. On va combattre des spectres minuscules. Trop mignon. Du coup, on arrête le premier épisode de ce petit, cette petite campagne ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Merci à tous. Salut.